Alain, propos d'un Normand. Loi. Vous avez vu ces récits de loi intelligente, qui sait compter jusqu'à 5. J'ai vu au cirque des oies dressées, et quand j'étais enfant, j'avais entrepris aussi un dressage d'oies, qui n'alla pas loin, mais plutôt par ma faute que par la faute des oies. Les bêtes reçoivent des habitudes comme un rouleau de phonographe reçoit des empreintes. L'enfant aussi, l'homme aussi. C'est par un déroulement mécanique de ce genre que je remonte ma montre toutes les fois que je change de gilet, et que l'enfant prodige récite une fable avec le ton et les gestes, souvent sans comprendre un mot, sans même y penser. Chacun de nous conduit dans le monde un animal dressé à figure d'homme, et qui apprend tout ce qu'on voudra. Tout devient habitude, c'est-à-dire sottise. Mes idées même, si je n'y prends garde, je les récite. Ce sont bientôt des psaumes et des litanies. Tout artiste est singe de lui-même. Chopin au piano imitait parfaitement Chopin. Cette paresse ennemie se montre toujours, par des formes et des procédés. Un escrimeur, si fort qu'il soit, a son singe aussi. Toute une mécanique se forme partout, contre le jugement et l'invention. Ce dresseur d'oies, remarquez-le, est esclave de loi, comme loi est son esclave. Et que ce double esclavage soit nommé intelligence, chez loi et chez l'homme, cela fait voir des spectateurs dressés aussi. Mais observez des oies au naturel. Une nuit, un ouvrier de la ville qui ouvrait sa petite fenêtre à tabatière, tout en haut des toits, entendit des cris d'oies sauvages qui changeaient de climat. J'étais bien jeune quand il me raconta la chose. J'aperçus, et lui aussi, qu'il y a des vies libres, sur d'autres plans, bien loin de nous et tout près de nous. Chacun a pu voir de ces bandes d'oiseaux voyageurs disposées en triangle allongé, comme des sillages, selon les plis de l'air, et flottant par moments comme des banderoles, sans perdre la loi commune. C'est autre chose que de lever 5 fois la patte au commandement. Il suffit d'observer nos oies campagnardes lorsqu'elles s'en vont au pillage, leurs murmures, leurs hésitations, leurs cris d'alarme. Avec cela alourdi par gourmandise et graisse, stupide et esclave par là, mais organisant pourtant autour de la ferme une vie libre et étrangère, une armée, des expéditions, des rapines, toute une politique. Organisation et invention malgré l'habitude. Quelquefois, leurs cris s'élèvent jusqu'à les étonner. Elles s'envolent alors soudainement le long des routes, mais elles ne vont pas loin. Nous, non plus, nous n'allons pas loin. Et nous ne savons pas toujours bien ce que nous cherchons, hors de la niche et de la pâtée. Et quand l'enfant s'est levé la patte 5 ou 6 fois, il y a des oies à figure d'homme qui demandent « Que cherchez-vous de plus ?» Notre loi aussi, sans doute. Notre triangle à nous. Notre œuvre à nous. Notre organisation. Notre justice. Malgré l'habitude et le poids du ventre, nous poussons de beaux cris quelquefois. Mais le vol est lourd. 6 juin 1912.